Salut tout le monde, j'espère que vous... Ferme-la, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est AK-14. Comment il va d'ailleurs? Bah il va bien l'AK-14, super. Eh bah c'est génial, épisode 10 de Minoé, déjà la suite. Ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode bien entendu tout en couleur, en VHS 1080p. Non pas du tout, c'est de la 720p, mais c'est toujours aussi efficace. Alors aujourd'hui, pas le temps de niaiser, on a deux objectifs différents. Alors, AK-14, t'es niveau combien toi? Je suis niveau 24 là. T'es niveau 24, je suis niveau 29. Donc autant dire que on peut valider très très vite ces 30 niveaux. Toi, tu vas partir dans le Nether pour chercher de la glowstone. Alors ça, c'est un trou de creeper, hein, vous inquiétez pas les gars. Tu vas aller chercher de la glowstone pour nous faire des torches. Et puis si possible... Hop. Ah, j'ai voulu prendre l'XP mais j'en ai pas eu. Et puis si possible nous trouver une forteresse, donc Veru et Blaze pour des potions. Et puis surtout Veru en fait pour qu'on puisse faire de la plantation. Exactement. Justement, en parlant de plantation, j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas. Bon alors, et moi je vais faire donc des plantations de quoi? De citrouilles, oh, regarde. Reviens. C'est bon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un petit poussin là, je viens de le faire naître, le mec qui se barre direct, genre normal. C'est mort, il reste dans l'enclos. Sympathique. Donc tu m'as fait super peur, voilà. Je respire un petit peu. Je vais faire de la citrouille. Je vais vous faire un petit peu de citrouille par ici. Une fabrication artisanale, bien entendu. Je vais vous mettre du cactus au niveau du sable, ici, bien. Et puis, je vais aller... Parce que c'est vrai qu'on explore, c'est ce qu'on s'est dit avec Kaka. Avec Kaka. On explore beaucoup ce côté-là pour trouver de la pastèque, mais on n'est pas allé voir là-bas. De l'autre côté. Donc c'est ce que je vais m'employer à faire dans cet épisode. Et je vais tout d'abord tenter de passer les 30 niveaux et m'enchanter. Donc pour ça, on va défoncer du mob. Il me reste. C'est simple, il me reste deux petites barres à remplir sur mon inventaire pour pouvoir passer niveau 30. Allez, même pas. Un tout petit peu. C'est bon, je suis niveau 30. Je suis niveau 30. La 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 la. Voilà, c'est l'épisode en chanson, les gars. Le mec qui sait pas s'arrêter. C'est clair. Ouais, un minimum de retenue et de respect pour toi-même, s'il te plaît, AK-14. Bon, je suis niveau 30, donc je vais tout de suite aller m'enchanter tel Merlin, d'ailleurs, dans ses plus grandes heures, 1754, un ami à mon oncle. Toi, t'es niveau 24, je pense que ça va le faire dans le Nether. Tu feras surtout très très attention à toi, d'accord bébé? Parce que j'ai vraiment très peur qu'il t'arrive quelque chose de grave dans ce Nether. Alors on va voir ce qu'il nous propose. Tout de suite en épée. Oui bien sûr. Eh mais sur PS4, quand tu cliques sur un enchantement de niveau 20, ça te retire 20 niveaux? Oui. D'accord. Donc on va pas se servir de ça, on va se faire des torches les gars. Ah mais putain, je suis à peine arrivé, je me fais défoncer. T'en es où là? T'as combien de cœurs? T'es bien? 5 heures. Oh putain! Ça sent la mort. Ça sent la mort d'AK-14. Ah d'accord. Oh, c'est une blague. Alors ça fout un petit peu la rage, clairement. Mais t'inquiète pas, on va s'employer à faire un truc bien, mon petit AK. Mon stuff a survécu, il est ici. Sérieux? Bon, j'y retourne, hein. Eh ben allez, vas-y, file. File Collins. Hop. J'ai une tranche en 1, d'accord. Ensuite, j'ai protection 1. Ça, c'est pas dégueu. Ensuite, j'ai protection contre les projectiles. C'est pas dégueu non plus. Ensuite, j'ai protection contre les explosions. Ça, c'est débile. Et ça, aisance aquatique. Ok, je me fais pisser dessus en fin d'enchant. Ça fait toujours plaisir. On appréciera vraiment la qualité. Il me reste 23 niveaux, donc on va continuer, hein, les gars. Une petite tranche en 1. Ah voilà, une tranche en 1 qui va nous faire une tranche en 2, hein, forcément. Vous avez l'habitude maintenant. Elle a mal XP. Bon bah écoute, tu vas te remettre bien, tu vas te mettre melle. Melle. Efficacité 1 sur la pioche. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai un bouquin. Tranche en 1. Et d'ailleurs je vais péter, hop. Enfin non mais je vais pas péter, ouais, vraiment. Je vais... Le mec en vidéo, t'imagines? Bon, attendez les gars, je vais péter. C'est plutôt pas mal. Hop.
Un petit puissance 1, donc ça, ce sera pour l'arc. Un protection 1, donc ça, c'est cool aussi. Et un tranchant 1. Ok, donc je vais pouvoir me faire une petite tranchant 3 des familles. Je vais prendre des missiles de nulle part. Hop. Viens là, puissance... ville fumier. Ville gredin. Que fais-tu ici? Tiens, tu fais moins le beau, PD. Pardon. Sorti tout seul. Le mec s'enflamme tellement. Oh mon dieu. Ah ça c'est bon. Bon allez, on y va. On attaque. Alors, on va se faire... Rat-attaque. Rat-attaque à l'attaque. Hop, hop, hop. Je vais te faire une petite architecture pour les citrouilles. Tu vas m'en dire des nouvelles. Non, je vais essayer de faire vraiment de la culture de qualité. De la culture française, hein, bien entendu. Voilà. On est champion du monde de la citrouille depuis 1654. J'aime bien, je crois que c'est la deuxième fois que je sors exactement cette date. À mon avis, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc à cette époque-là. Et je pense qu'il y a un événement marquant de notre histoire en 1654. Hop. Allez. Je fais un truc bien. Bon, il n'y a pas besoin d'en faire tant que ça, vous allez me dire, parce que la citrouille va nous servir. Bah, rien. Mais on a dit qu'on faisait... On faisait les choses bien, my friend. Je crois pas, je suis en train de faire un petit escalier dans le Nether et il y a un énorme lac de lave en dessous. Ah d'accord. Pas trop crevé, déjà que j'ai crevé, je me rappelle deux secondes. Ouais, ce serait dommage, disons. Ouais. Hop. Je suis quand même remonté niveau 10. Hein. Et déjà ? Ah bah gros, dans le Nether ça va à une vitesse, c'est assez impressionnant. Ouais, je vais bien te croire. Je vais bien te croire. Alors, mon arc. Bah un petit puissance 1 bien entendu. Mon deuxième arc. Bah un petit puissance 1 bien entendu, ce qui va me donner. Un petit puissance 2. Oh là là, qu'est-ce qu'il est intelligent. Un petit puissance 2, sachant que j'ai encore un livre puissance 1. Donc non, je pense mais que c'est arrivé quoi. Oh le gast il est dans la lave, qu'est-ce que tu veux que je le tape. Ouais, c'est vrai que Light pisse un petit peu dessus. Hein. Je veux pas abuser hein, mais je crois. Je crois. Bien un squelette derrière. Non mais les gars. Attention. Putain, y'a un Wither Skelet. Allez c'est... Non. Oh non, il a abusé là. Là, il a abusé cet enfoiré. Qui? Un Creeper. Un Creeper. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a explosé ce que je venais de faire, mais vraiment, il l'a désenchanté quoi. Moi, j'aime bien ça. Moi, ça me plaît pas. Je te cache pas que j'aime pas. Là, là, je suis un petit peu. Je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu l'avais fait. Ouais. Oh, ouais hey, tu parles arabe. Je ne savais pas. C'est génial. Tu vas le faire à d'autres. C'est pas grave, c'est pas grave. Retrouvez bien sûr notre ami AK-14, donc en cours de... En dictée. Ouais, en dictée. Tu sais que j'étais super fort en dictée. Je crois qu'on t'a fait ma vie au passage. Mais... Ouais, je sais pas pourquoi, je te crois pas trop. Si, j'étais monstrueux même. tu savais écrire correctement quoi. On m'appelait papa quand je faisais la dictée mon gars. Ah ouais. Ah ouais. Ouais bien sûr. Alors. Hop. Non, ça va pas là du tout. Hop. Donc, bon. On va dire que c'est presque correct. Le mal est presque réparé. Hop, on va faire ça comme ça et puis je crois que j'avais encore un petit peu de sable et je vais le mettre là. D'accord. Sérieux. Donc, y en a combien de gaz là-dedans? Non mais franchement, sur PS4 c'est assez ignoble. C'est vraiment assez ignoble. Faut pas t'en vouloir. Faut vraiment pas t'en vouloir. Toi-même. Non mais hop. Ça saoule pas. Ça saoule. Ça saoule. Hop, je vais récupérer ça et puis je vais mettre. La citrouille. Alors, pas mauvais, je passe. Putain, vas-y, c'est la misère. Je préfère te prévenir à l'avance. À mon avis, faudra que tu reviennes me chercher, bébé. Non. Parce que je pense que je vais être perdu là. Non, bah écoute, voilà, c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de bosser avec toi. Mais, c'est mort. Vraiment. Ça fait dur. Oh! D'accord, j'ai pris une flèche de l'espace. C'est Dieu qui t'a puni? Attends, je vais m'en occuper.
Attends, je vais mettre des torches. Ah très bien, j'en ai pas. J'aurais pu faire le petit poussé et mettre des torches pour me... Eh, hey, j'ai des os, je pourrais peut-être m'occuper des chiens. Enfin, des os, des loups, d'ailleurs. C'est des loups, donc... Appelons un loup, hein. J'ai je plein sais... de verrues, gros. C'est vrai ? Verrues de machin. Oui, non mais oui, bien sûr, on avait cru comprendre que tu nous parlais pas de tes problèmes de... De mycose. Ouais, tes problèmes de peau. Hop. Est-ce que j'ai encore de la... Non, j'en ai plus beaucoup. Non mais lol, il y en a trois qui me poursuivent. Hop. Bon, on va mettre ça. C'est pas super beau les gars, mais ça va nous être utile. Comment te dire, je suis en position latérale de sécurité. Caché dans un petit coin. Parce que sinon, là il me reste deux cœurs, c'est simple. Ah ouais. Deux cœurs, après je suis mort. Non bah essaye de ne pas mourir, ce serait quand même embêtant. Bah, quoi, ça va être vite réglé, je vais creuser tout droit. Ok. Ah d'accord. Bon, on va les mettre là, hop. Voilà, comme ça c'est beau. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire maintenant? Je pense que je vais attendre le jour, hein, finalement. Bon, du coup, on va chercher de la pastèque, hein. Bah ouais, mais de nuit, bof, quoi. Clairement bof. Ah putain, je suis à Bedrock. Le Nether me pisse dessus. Là, de nuit, c'est pas terrible. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Hop, je vais me faire un petit... comment peut-on dire? C'est où, ça, en fait? Je savais pas que les verrues poussaient comme ça. Genre elles poussent dans le Nether normal? Bah normal, genre sur le sable bizarre là. Ah, et d'ailleurs je pensais à ça. C'est quoi la pierre? C'est de la... Enfin c'est de la pierre du Nether classique que tu peux enflammer? Bah c'est la Nether... attends, parce que j'en ai... Nether rack. D'accord. Mais du coup, ouais, pour planter les verrues, faut que je récupère du... Du Soul Sands. Ouais. Enfin, du sable des esprits. Ou... Excuse avec l'accent. Ouais, excuse-moi, c'est parce que j'étais américain, en fait, quand j'étais petit, et... Ah ouais, arrête de mentir. Non, j'étais américain. Ok, il me reste deux cœurs. Putain, mais c'est quoi ce Nether? C'est assez violent. C'est la violence, c'est la gratuité. Je suis encore en position latérale de sécurité. Bah ça fait assez plaisir de t'entendre aussi. Ah c'est ma position préférée dans ce Nether. Bah j'ai l'impression ouais. Pendant ce temps là je te régale mon ami, j'essaye de récupérer un petit peu de laine sur nos amis les moutons. Afin de te permettre de faire dans l'épisode peut-être prochain le mât. Il me faut surtout de la laine blanche, normalement je devrais avoir assez de laine orange. Hein. D'accord. Eh ben je vais tomber. Si mes calculs sont bons. Oui, parce que j'ai planché sur le nombre de cubes qu'il fallait avoir pour le... J'ai planché mon sujet, hein. Tel un petit écolier. Ah ouais? Comme un gâteau? Ouais. Ok, merci. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est, là, c'est de sauter dans la lave. Le mec veut se suicider, quoi. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Je vais aller chercher les laines qui sont dans mon coffre. Me dis pas les garçons parce que je t'en colle une. Et... T'y as pas pensé. Tu veux te battre? Si si j'ai... Ça t'a démangé. 45 fois. Attends, je suis où là? Je vais aller récupérer ça. Et je vais te mettre ça bah, tout simplement dans le bateau. On va pas se prendre la tête. Hop hop. Non mais lol quoi. 37 laines. 37 laines blanches, c'est pas dégueu. Moins de garçons. Je le déteste ce mec, finalement. Je le déteste. Allez, le jour se lève, le jour s'est levé. Je connais plus la suite de la musique. Mais on va aller chercher. Non, non. Ah bah, je l'avais pas vu. La vie est ricorée. L'ami est ricorée. Ouais, c'est pareil. Bah non, la vie et l'ami, c'est pas la même chose. Enfin, la vie, c'est l'ami. Les amis. C'est ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. On s'en bat les couilles. Bon, allez! Allez, il est temps de trouver des trucs intéressants.
Ah, commencez pas. Non. Ouah, mon gars, j'ai fait un saut de l'espace entre deux petites failles avec un lac de lave en dessous, mais... J'ai fait meilleur. Dans mon froc. Le meilleur. Mais je suis encore là. Il est encore là, après à foutre... Oh. Oh, c'est quoi ça? Quoi? Le mec qui te posait un rabais... Oh. Ben non, mais je viens de voir un chat. J'en avais pas vu depuis le début de la partie. Donc je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se laisser peut-être, on va dire 2 minutes pour trouver. On va, vous savez quoi, on va contourner. Ah, c'est bien, tu vois, c'est remonté. T'es quasiment revenu comme au départ. Ouais, mais j'ai toujours pas trouvé de faille. De faille. De forteresse. Oui, forteresse. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire des cas, j'ai envie de te dire, au pire des cas, hein, tu reviens avec... Oh, attends! Attends, je crois que j'ai cru voir un gros minet. Non, ah, ça c'est une fleur, mais ça c'était là-bas. Au pire des cas, tu reviens juste avec les verrues, et puis on fera les cultures de verrues, et puis Osef. Oh! Oh, de la pastèque! La pastèque! Oui! La pastèque, pastèque, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Oh, c'est beau. C'est beau. La pastèque de l'amour, la pastèque de l'amitié. Je crois que je vais appeler cet épisode comme ça. La pastèque. La pastèque, vraiment, elle fait plaisir. En plus, je viens de croiser un chat. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller à la pêche dans l'épisode prochain. 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 Pour pouvoir l'adopter. Si on peut adopter chat et chien dans l'épisode prochain, ça serait vraiment ouf. Ça serait vraiment un truc de foufou. Bon allez, je reviens à la maison. On va se laisser justement sur ce retour. Bah oui, un pour le chien. Oh putain, il est trop drôle, c'est un K14. Je crois qu'on fera pas mieux dans cet épisode. Donc c'est pour ça qu'on va se laisser sur cette magnifique blague de notre ami AK14 qui peut-être. Il y a une forteresse. Ah voilà, bah ça sera pour l'épisode prochain. Ne dis rien du tout. Ne dis pas ce qui se passe. Ou alors juste un petit mot avant de nous quitter peut-être. Non. Merci. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo hein, parce que lui il a aucun respect pour vous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de l'Arche de Minoé, l'épisode 11 déjà. Ça avance, ça avance. Ça avance, ça recule. Comment veux-tu que j'enlève ton pull? Non, non, calme-toi, vraiment. Calme-toi. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao les gars. C'est bon, c'est cut. J'ai pas du tout la forteresse, gros.